disque radical. Ils voulaient mettre le faux poudre dans les salles, avec la poudre dans les yeux et le hip-hop comme arsenal. Mais très vite, noyé dans la masse, il prend sa claque. MC part au charbon, car personne connaît son nom, personne connaît son son. Chaque soir c'est la pression, il réalise le chemin à parcourir avant d'être dans les bacs. Car c'est lent, c'est dur, c'est le passage obligatoire. Ça peut virer des rires aux larmes en un éclair de désespoir. Le jour il bosse, la nuit il affûte son répertoire. Forcé de jouer sur les deux fronts pour pas finir à l'abattoir. Seulement, pour l'instant il vit dans l'ombre des têtes d'affiche. Pour l'instant seulement il fait ses classes quand d'autres restent à la niche. Alors il s'exécute, ferme les yeux et s'imagine, monte sur les planches comme aperçu avec derrière la grosse machine. Écarquillé, personne ne le comprend, non. En face de lui, y'a que des vieux ou des enfants. Ils veulent danser léger, le rap conscient. Ils trouvent ça chiant, la salle se vide progressivement et ça lui glace le sang. Il parle au sien, se retrouve chez les branchouilles. Au dîner de con, ce soir, ça mange de l'andouille. Un verre de trop et le dessert vira à l'embrouille. Et bim, sa prise de mic et les instrus, ça part en couille. Soirée de plein air, il pleut, il est vénère. Sont tous à la buvette et carbure à la pierre. Y'a plus que sa mère sous le parapluie qui suit le concert. Derrière deux ou trois poivrons en délire qui possible. Le bar est mort et les serveurs regardent le foot. Il y va parce que c'est l'heure, tant pis, rien à foutre. Ils sont minables, ils flippent, tout d'un coup ils toutent. Ils se disent merde, à quoi ça sert de jouer si personne ne m'écoute? À quoi ça sert de jouer si personne ne m'écoute? À quoi ça sert de jouer si personne ne m'écoute? Visage marqué par le poids des sacrifices. MC fume pour s'évader, oublier ses cicatrices. Son cœur se serre quand il regarde en arrière. Le chargeur est surchargé car sa galère est journalière. Il est pas là pour faire tralali ou tralalaire. Chez lui l'inspiration se puise au bout de la chaîne alimentaire. Il a forgé son flow en essuyant les plâtres. Et si maintenant son rap te frappe, c'est qu'il a toujours dû se battre. Il roule sa poste en marche selon ses propres codes et n'attend rien de l'industrie sans ses galettes en autoprod. Son poste grandit aux antipodes de leurs paillettes. Il fait son trou, assume le prix de l'indépendance même dans les salles des fêtes. Et peut-être bien qu'il ne sera jamais disque d'or. Et alors la belle affaire il l'ouvre de plus en plus fort. Maîtrise tous les contours de son art, comptait sa terre. Les mains dans le cambouis mais pas un genou à terre.